Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est pas une nouvelle, c'est une ancienne nouvelle vidéo parce que la vidéo que tu filmes déjà. Mais sur le kit d'étin des montages, j'ai pas aimé le rendu. J'ai eu l'impression qu'il y avait des trucs que j'ai oubliés. En fait, ma niche bizarre. Donc, je me suis dit, je préfère la refaire. C'est vrai que ça va me prendre un petit peu de temps parce que vous m'avez harcelé. Couillon, mais j'ai commencé ma cache nage. Je reçois pas un message. Inès, la vidéo t'es essence pour tâche. Inès, la vidéo t'es essence pour tâche. Donc, la vidéo t'es essence, c'est maintenant. De la vidéo, je vais vous montrer les top TR, c'est ce que je vais utiliser pour me maquiller. Ou je vais vous montrer quelques flops de la marque, évidemment. Comme les marques ont des flops, mais une marque qui est à 1000%. Des mêmes qui ont un ou deux produits, mais deux autres. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour la base essence, je ne l'ai plus. En fait, c'est un peu le peu les cas, c'est un peu pour l'autre vidéo, c'est la base matte. Ou quand tu trouves que la base matte, c'est pas ma base préférée, ta essence. Déjà, je vais vous montrer les bases, mais en tout cas, elle dit que la base matte. La base m'a dit que ma tâche, je l'ai gardée pendant 2 ans avec la base que je n'ai pas. Elle ne matifie pas ou elle ne lisse pas la peau. Je n'ai pas un effet lissant ou là. Elle n'a rien de spécial. Donc, avec la base, je ne vous la conseille pas. C'est la petite haka de la bédame ou de la rouge. Évidemment, c'est bien de préciser. Je suis en partenariat avec la marque Essence. Essence, mais bientôt, j'ai des produits que nous avons mis comme. Je ne sais pas Essence, mais je connais les produits que nous avons mis comme. Comme je l'ai dit, j'allais dire. Je suis en la boutique Bibé Bapte AG Centre. En fait, le problème à Essence, c'est qu'on ne la trouve pas partout. Et c'est ça le problème. Donc, s'il vous plaît, Essence, si vous m'entendez ou si vous voyez cette vidéo, premièrement, dites-nous les produits parce qu'à la belle et Essence, ils ont beaucoup de produits. Je suis à Borkle Alger, je suis vraiment une minorité. Et le deuxième, c'est essayer d'extendre un petit peu partout vos stands parce qu'il n'y en a pas du tout. Anayat à Alger Centre, c'est le seul. La boutique où se met Bibébab, un bel team snap, ça va être comme Bibébab dans l'autre semaine. La boutique Bibébab, un stand d'essence, il l'alimente régulièrement. Ce qui fait que, en général, je trouve toujours au Shinhab, qui m'a par exemple le mascara à l'âge princesse, il est jamais en rupture. À chaque fois, il y a des jibos. J'essaierai de vous mettre l'adresse en barre d'infos, je vais vous le retrouver, mais en tout cas, il est très très simple à trouver. Alors, je pense que pour les débutants, le maquillage, une base, c'est pas forcément nécessaire, à part si vous portez votre fond de teint, c'est ma bizarre, tabou, comme fond de teint, mais sinon, je sais pas, je trouve pas ça nécessaire. Je pense que vous hydratez votre peau, c'est largement suffisant. La base, j'utilise une base toujours parce que je me maquille tous les jours, dès le fond de teint, donc je préfère utiliser une base. La base que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la BK Hadia First Light Priming Filter. Je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo. On était sur du moins cher, mais là, c'est pas gagné. Mais vu que la Andy, donc j'utilise celle que j'utilise à Diamat. On va passer au fond de teint. Je vais utiliser le 16h. Stay 16h, le manaraf. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans un fond de teint, parce qu'un des la peau grasse, c'est un fond de teint liquide bzef. Donc j'ai choisi le Stay All Day Hadia 16h. La teinte dite le 15 Soft Crème. Et je vais l'appliquer blur pinceau ou smooth le contouring brush. C'est une jolie essence, désolée, mais elle a pour moi ça. C'est pas un pinceau à contouring, je sais pas pour vous. Mais moi, j'utilise des pinceaux contouring. Je suis comme un mind tree pour diffuser un peu le bronzer. Mais bon, elle a pour moi ça, c'est pas un pinceau à contouring puisque un bord coupé à cas droit. Donc pour moi, c'est pas un pinceau à contouring. C'est un pinceau à fond de teint, donc je vais l'utiliser pour appliquer le fond de teint. Si déjà je n'utilise le fond de teint, je vais utiliser la brosse et c'était sympa. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mis une seule pompe et on va utiliser une palette de foil Lanzedo, là là là. La teinte elle m'a l'air sympa mais elle est un petit peu rosée je trouve. En tout cas le pinceau effectivement il est très bien le fond de teint, j'aime beaucoup. Il fait très bien son travail. Je trouve qu'il m'a pas mal unifié le teint. Il est glowy, mais c'est mat. C'est pas un fond de teint mat. Moi, je préfère qu'on libre ou qu'on la poudre. Malgré mon goût, j'ai dit qu'on des mat, on va des taches chauffées. Je préfère comme ça. Alors, le fond de teint, je valide. Même si la teinte est un petit peu plus claire, je trouve que ça va, c'est pas la mort. Une fois que étalé tout, mais il bench vraiment bzzef. J'aime bien le rendu de le fond de teint. Donc pour une deuxième utilisation, le fond de teint, je valide. Il est sympa. Mais veillez les blettes à trouver votre teinte. Essayez de trouver votre teinte. Mais c'est parce que la caméra, j'ai la même carnation que vous, mais pour les filles, il faut vraiment une couvrance forte. C'est pas un fond de teint hyper couvrant. Je relis les moyens. C'est juste, c'est plus un fond de teint pour tous les jours. On va passer à l'anti-cerne. Quelle anti-cerne essence, mais je ne l'ai pas parce que ma mère me l'a piqué. Donc moi, je vais utiliser le Radiance Reveal Tabourgeois. C'est un super bon anti-cerne. Il est vraiment, vraiment cool. Laisse tomber mon
anti-cerne de Beauty Blender Tarte Technics. C'est mon préféré, le Beauty Blender Tarte Technics. Il est excellent. Pour moi, il est meilleur que ta Beauty Blender. Déjà parce que moi, je râle. Nous avons la poudre. J'ai deux poudres à vous présenter. Qui est une Hadia, la matifiante compact powder. Hadia, c'est la teinte 4 Perfect Beige de Rakaya. Hadia, j'utilise depuis un moment. Elle est bien. Elle poudre bien. Mais elle ne matifie pas. Non. Je crois que c'est une poudre matifiante sur le coup. Mais elle a un pouvoir matifiant à long terme. Mais je l'aime bien quand même. Elle est très très bien. La preuve, hein, je l'ai très bien creusée. Donc celle-là, je l'aime bien. Mais il y a toujours un mais. خرجت وحده اخرى موراها du moins خرجت هنا في الجي وحده واسمها la pure nude. Et quand j'ai découvert celle-là, هذيك la matifiante, je vais me stamelage ga parce que cette poudre, elle est magnifique. جايه لداخل ombre هكا, je sais pas si vous arrivez à voir, et elle est très 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 légère parce que chauffeau, خرج un tout petit peu de poudre et sur la peau, elle a un effet matifiant mais qui ne se voit pas du tout. C'est une poudre que tu peux dire منها كيلوات وكيلوات. J'adore ça. Donc Hadia, elle a vraiment tiré de l'ocra parce qu'elle a dit c'est ma poudre préférée ta essence. Elle est magnifique. On va passer au bronzer. Le bronzer que je vais utiliser, c'est Hadia. Hadia Ousmou, le matte bronzing powder. Malheureusement, Hadia, c'était une édition limitée à Safe. Ou Machita, j'ai un Alger, j'ai l'état Auchan. J'ai l'état Auchan, faisant ça. Donc, la poudre, je pense pas te le trouver. عندها نودر هايلة وهايلة ديزولي مي هايلة مي ما تلقاوهاش. الوغ بور لو برونزور نستعمل هاد البانسو دوبلون بو تاع فلور مار. علاش نحب هاد البرونزور؟ باسكو اوف باسكو اي ناتوريل il شغل il réchauffe le teint mais il est naturel. دونك انا بيان نحبو توجور كي نحب ان لوك ناتوريل شغل ما نحبش نفورسي بزاف على لا بودر نستعمل هذا باسكو il réchauffe le teint mais il ne se voit pas بزاف. Parce que la couleur théo elle est claire et moi j'aime bien. Ama comme le bnatou la ghir machi ça veut dire plus hat maquiller plus hat kounou chabin. Lazem tmaquiller tout en légèreté parce que comme je le dis tout le temps le maquillage ma rahouch hna bach transformer comme le maquillage rahou hayzid lkom bark il va rehausser votre beauté parce qu'on est tous belles naturellement ma kach wahda khalqa rbi moche. Rbi habna w khalqna kol wahda kifach kol wahda la beauté taha. Je veux entendre aucune fille me dire qu'elle est moche parce que c'est pas vrai. Vous êtes toutes belles à votre manière. Donc quitte maquiller ou le blat maquiller ou chouia qisma tirfdou zine dial comme chol pour rajouter à votre beauté, pas pour vous transformer parce que sachez que quand vous vous transformez ma chtkounou chabine sur l'officiel. Moi je déteste douk ta les libanaises douk les make-up ya khti why انا دوكا نديرو البلوش حاول تاكل البلاش عندي شوفي شوفي نقول لك صحيحه اسانس في لي بلاش اي سون تري 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 فور اي سون فريمون تري 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 فور باسكو اني ساعه 3 بلاش من عندهم اي لي 3 جو لي زيم مي جور لوعا الوغ عندي هاد لا غام وعندي هاد لا غام هذا اسمه جويس ايت سي ان بول بلاش بول بلاش C'est un blush pêche. Hada, c'est vraiment le pêche naturel qui donne, je crois, qui rehausse le teint, qui donne bonne mine. Il est magnifique, Hada. Il est mat. Numéro 1, c'est le 2. Ousmou Give Peach a Chance. Numéro 2. La deuxième gamme, c'est la gamme de blush normaux. Kain les satins ou Kain les mat. Le satin, yabinti, Hada, numéro. Je sais pas quel numéro en plus. Bon, on écrase la référence. Je crois que le satin, Hada, c'est le numéro 3. En tout cas, c'est un blush nude. Qui est marronné et je casse tout. C'est un blush nude à camaronné qui est satiné. Quand je vous dis satiné, c'est pas un highlighter, mais en tout cas, il reflète la lumière, il est brillant, il est magnifique. En fait, il reflète la lumière, mais me fait chier les particules brillantes. Je crois le houa, il reflète la lumière. Hada, c'est Hada, avec les amis, chez Zouj, ou Ahmed et tout, Fissak, ou Ahmed Fiddar. Mais je disais, ma qui m'a quand je maquille Haka, vite vite, un peu de blush, il est trop beau. هذا ساتان مي جور سي ان مي بلوش بريفيري تاع كاع ما كوليكسيون تالمون نحبو وكاين لي مات لي مات كاين هاد لو روز تاني سي ان روز شغل ان روز دي بوا تري 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 بو جو سي با لي ريفيرونس البنات والله ما على بالي باسكو كاع مخسرين شغل مكرطين كاع من اللور دونك جو بوغي با فو دوني لي ريفيرونس اه وي جو كرو سي نيميرو 2 هذا سي نيميرو 2 والمارون سي نيميرو 3 Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec le teint. Donc, quand je vous ai l'aïnine. Pour les yeux, je vais utiliser la base à paupières Taham, la I Love Stage. C'est la seule base à paupières, je pense, qu'ils ont. J'ai pas à m'en plaindre, c'est une bonne base à paupières. Mais je pense que les bases à paupières, il n'y a rien à dire. El Mohim, tchède les fards à paupières et c'est ce qu'elle fait.
Donc si vous cherchez une bonne base à paupières, elle est pas mal cool. Voilà pour la base à paupières, je vais la poudrer, avec mat avec. Pour les yeux, je vais partir sur un truc assez bleuté puisque je porte un tricot bleu. En passant, j'adore être le plus chez toi, Jennifer. Ou l'Anbershka, après l'Anbershka. Il est trop trop beau. La palette que je vais utiliser, c'est la palette All About Grays. En fait, un d'hommes plusieurs. Un d'hommes la All About Grays, un d'hommes la All About Nudes, je crois. Je crois qu'un d'hommes 3. D'ailleurs, Aka, je trouve que côté pigmentation, ils sont allés très très loin. La palette, elle est super pigmentée côté pigmentation. Les fards que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être Head les deux majoritairement parce que je vais sortir Mbada et j'ai pas envie de trop aller dans le drama, mais je vais vous swatcher, madame, on est là pour ça, donc je vais vous swatcher un petit peu toutes les teintes. Regardez-moi la pigmentation de ce truc. La palette, elle est vraiment vraiment pigmentée. Autre truc qui est magnifique, un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est Hadley Jumbo Eyeliner. Alors là, ça, c'est ma découverte essence de l'année 2017. En fait, c'est Anna, j'aime pas trop les jumbo fard à paupières à Kaya. Je fais le fard à paupières en stick. Mais Hadaya, quand j'ai vu sa couleur et surtout sa tenue, j'étais bluffée. Avec Hadley, ça, chauffeau. Tellement je suis obsédée chez Zouj. Je suis pas normale, mais chez Zouj. Tellement ce truc, c'est de la mort qui tue. Vous allez pas me laisser, donc j'en ai acheté deux. C'est un fard à paupières. Après, comme je ne saurais pas vous parler de la couleur, c'est un violet grisâtre. C'est un violet gris métallique super lumineux. Je l'adore, il est super bien. Donc, en fait, la couleur est la même. Donc je vais commencer par appliquer Hada sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre un de le pinceau. Je vais utiliser Hada la teinte Hakaya. Il sera juste au-dessus du fard à paupières lol. Je vais prendre un tout petit pinceau Haka plat, légèrement fluffy. On a dit Hada la teinte bleu foncé. On dit le creux pour l'estomper. Sachez que vous voulez mettre des couleurs Haka, pas été éviter d'estomper au bzaf. Donc voilà, Anna, j'aime bien, mais je trouve qu'ils sont, ils s'estompent pas très bien. Donc c'est des fards à mettre en paupière mobile. On a d'abord des roues, un fard de transition d'accord, parce que je trouve qu'ils s'estompent pas très bien. Ou vu qu'ils sont gapaités, sur le maquillage qui fait je délire en couleur de transition ou là ou t'estomper. Ils aiment un petit marron ou un petit beige, tu peux délire ton creux. On va pour moi tu être mélado. Parce que tu es que mélado, côté estompage, je suis pas très très fan. Donc pigmentation, prix, tout va bien à part la pigment, à part l'estompage, je suis. Nous avons l'eyeliner, nous allons vous montrer, mais je ne l'utilise pas parce que l'eyeliner n'est pas fait de sang. Je l'ai gardé juste pour vous montrer. Déjà, il est très léger, mais du coup, il n'est pas mat, il n'est pas pigmenté et il n'est pas waterproof parce que bien que dernier waterproof, maintenant en fait, tu fais atchoum, le mec il est parti, tu vois. Donc moi j'aime pas du tout. Le eyeliner pen waterproof, qui va bien voir. Avant de passer au mascara, je vais faire mes sourcils. Mes sourcils, je vais faire des produits, c'est tout, et je l'adore. Je trouve que c'est un concept super sympa. Tu fais qu'il y a une foncé ou une claire. Tu dis كيما نقول تقولي هدايا الوحده عندها لي سورسيل فونسي وهذا وحده عنده لي سورسيل كلير بصح انا علاه نشريه كومبلي نخسر دراهمي الوغ نستعمل واحد مين ديا راكي غلطه جات الى سنه تحل بك حوجك. الوغ لو تريك افيك سا سي كوا سي كان فيت vous voyez sur les tutos Instagram et tout, les filles qui ont des sourcils carrés, sgmin, هي عاودتهم معاويين 100% mais ما يبانوش. وانت كي تيدي la même chose, تباني Charlemagne تاعي ولا هيفا وهبي. Tu te demandes pourquoi, tu te dis tu es nul. Mais en fait non, parce que la tête du sourcil, لازم تكون plus claire que la queue du sourcil. Elle a بها يد deux teintes. هذه la première la plus claire, c'est باش تخدمي الراس تاع ton sourcil لهنايا. Je ne sais pas comment dire ras ou l'ardé. Ras, parce qu'il y a des ras ou l'ardé. Oui. Mais je te fais des ras à ton sourcil bien carré, ou là, comme tu veux, rond, ou la losange, ou la kimet B, avec une couleur claire. Haka, ça va faire naturel. Bon, quand je dis clair, la zine coule quand même, elle match ma chara, comme chez Haja, marron, clair, chocolat. Non, c'est pas ça. Il faut que ce soit quand même assez assorti avec tes cheveux.
ومن بعدا لرجلي نتا لي سورسيل ديريهم افيك اون كولور فونسي باش تمدي هذيك لا ديفينيسيون للسورسيل باسكو لو كان ديري لا ميم كولور هنا وهنا سافا فير ان سورسيل بزاف فونسي وحنا ما راناش حابين نجيبو شارلمونتي اختي ورده تي شارلمونتي مع كل احتراماتي ليك جو تيم بوكو مي باغ كونت لي سورسيل سافا با دو تو يفو كو تو اشيت سا ولا لو تريك كي روسامبل مي ديري لو كلير هنايا ou le foncé là, hein. Ok, salut. Je vais faire, je vais utiliser le pinceau, c'est un pinceau lambda que j'ai tout fait misonnier. Mettez la couleur plus claire. En général, de la couleur claire, je mets tout rouge, le pinceau t'as comme le foncé, bah là, ça sert à rien, tu vois. Donc on commence avec la couleur qui est claire qu'on va utiliser pour faire la tête de notre sourcil. Personnellement, c'est un lot, mais je suis pas très fan de la poudre pour les sourcils, à part si elle est vraiment pigmentée et ta essence, il est pas vraiment pigmenté, tu vois. Donc le concept et tout, il est cool, mais pour les filles qui n'ont vraiment pas de sourcils, c'est pas le meilleur. Hada, il est fait pour les filles, il y a déjà une matière, tu vois. Genre, ils ont déjà des sourcils pas mal fournis, ou ils ont des sourcils. Mais vraiment, il est avec toi, je suis vraiment avec toi, je suis un petit complet. Essaye de prendre la même idée, Hada, tel qu'il est au foncé, mais essaye de prendre des trucs plus pigmentés. Il y a une poudre plus pigmentée, ou là, le mieux, un pinceau, un crayon. Un sourcil, c'est mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des poudres, مخدومين البنات اللي كامل عندهم حواجب تشوفوا ماشي البنات اللي ما عندهم والو باسكو الا ما عندك والو ça risque pas de te faire un truc vraiment parfait. Boubou, dites que vous allez avoir une différence de couleur mais en fait non parce que كي ديروا الكلير بين الكلير والفونسي je crois que ديروا الفونسي vous allez estomper chez avec le clair tu vois ça va donner un effet au moins ça va pas se voir du tout la preuve sur moi ça ne se voit pas. En بعدا نفليكسيو الحويجبات باش نفليكسيو هذا نفليكسيو الحويجبات très bien يختي باش نفليكسيو هذه الحويجبات بالماسكارا سورسيل Alors, le mascara sourcil TAI d'Extrait World Essence, le préféré d'Yali, d'Ato Maman, bien évidemment. Maman, tu m'as les produits Essence. Je roule très les couleurs, je te sers les Essence. D'Ato le mascara sourcil Hada. Donc, on a dit Hada le transparent. Voilà pour ça. On a fini les sourcils, on va passer au mascara. Le mascara, je roule Essence, ma refaim, le mascara Tahom, mascara Tahom de Hala, le Lash Princess. Qu'il y a une lâche princesse orange, qu'il y a une lâche princesse vert. Anna, je préfère la lâche princesse vert. Parce que la brosse, elle, orange, elle est un petit peu bizarre. Ou mais je préfère la verte. Le orange d'être au maman, bien évidemment. Le vert, c'est lui que j'utilise tous les jours. Wow, Kiko d'y aller. C'est mes préférés. Ils sont différents. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Mais celui-là, il est très très bien aussi. Après, mais je vais quand même vous faire un petit close-up. Haoulik, la brosse Théo. Moi le mascara c'est les lèvres, les produits lèvres je pourrais pas tous vous les présenter parce qu'ils en ont plein. Ah, je vais juste vous parler des catégories. Alors ils ont les jumbo. Les jumbo ils en ont plein. Ils ont des mats, ils ont des glossy, ils ont entre les deux. Ils en ont plein. Vraiment les jumbo Kane Arma. Allez en boutique, vous les swatchez, vous les voyez, il y en a plein. Et ils sont très très sympas. Anna, je les aime beaucoup les jumbo Tehum. Ils ont les gloss. Les gloss Tehum, ils sont sympas. Un petit peu collant, un petit peu tral, mais ils sont sympas quand même. J'ai trois couleurs, un rose, un nude et un marronné. Ils sont très très bien aussi. Ils ont les liquides mat. Alors, il y a les anciens liquides mat et il y a les nouveaux liquides mat. Les anciens liquides mat, donc ils m'ont fait un XXL, ils sont dégueulasses. Alors là, lui, je le déteste. Je l'ai tourné pour la vidéo. Il est dégoûtant. Ou عندهم les mats normaux Hadouma. Hadouma c'est plus des mousses, genre ils sont mat mais ils sont mousseux, ils sont pas vraiment mat sans transfert. عندهم un effet mat mais ils sont quand même assez transférables. Ils sont en mousse, ils sont très très bien. عندي la couleur 3 et la couleur 5. J'essaierai de vous faire des swatchs sur Instagram, soit en photo ou là en vidéo, une des comme des petites vidéos sur Instagram. Parce que là pour vous swatcher comme les rouges à lèvres ça va prendre 10 ans, peut-être comme la vidéo. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu vite. Ou عندهم les rouges à lèvres t'as la gamme normale هادوما les هادت 3 le comme la tonine je fais chez toi le parce que j'ai des tabous c'est un violacé ma couleur ne me va pas trop elle va pas trop à mon teint mais ils sont quand même assez sympas. Ou عندهم les crayons à lèvres je les utilise pas les ongles lacing lip liner pour aujourd'hui je vais utiliser la couleur le mat moussi numéro 03 le girl of today il est très très beau. En bas là on va passer au clou du spectacle les Huwa l'highlighter ils en ont deux ils ont le strobing highlighter Hadaya pour moi c'est une poudre matifiante c'est pas un highlighter. Il a des particules légèrement tal brillant, mais c'est pas un highlighter. Pour moi, Hada, c'est un gros flop. Je l'aime pas du tout. Androm Hadaya, le So Glow, Anandi, la teinte numéro 1, parce qu'il y a un rosé ou qu'il y a un doré. Hada, par contre, je l'aime beaucoup. Il est très sympathique. Je l'applique avec une éponge, parce que c'est un highlighter en crème. Donc,
On l'applique avec une éponge, c'est mieux. Hein. Il est très naturel. Je vois, vu que c'est une crème, donc Maybench bzzaf. Et moi, je trouve ça très cool. Donc en gros, je vais finir cette vidéo. On a dans le comme les flops parce que je pense que les tops, shift home ou tu vois, le plus important, c'est les flops. Je vous évite de les prendre si c'est pas ce que vous voulez, comme moi. Un comme premièrement, l'eyeliner. Un comme l'highlighter Redax Strobe Lige, les swatchs évidés. C'est une poudre matifiante. Et comme la palette, je suis désolée de le dire, mais la palette, elle est pigmentée, ça, mais elle s'estompe pas bien. Ça m'a pas donné un joli résultat. J'ai pas un beau maquillage des yeux. Il s'est pas bien estompé, là, et j'aime pas du tout. Ben là, c'est parce que je l'ai fait à la va-vite, mais en tout cas, Anna Moelle finstamel mes palettes à la va-vite quand je me maquille. Et ça me donne un résultat un petit peu plus homogène. Donc, on a la palette. Ça, elle est pigmentée, elle est pour ma paupière mobile, mais c'est pas une palette sur le complet, estampée au BH et tout. Moi, je ne l'aime pas. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai remis mes lunettes, je vois mieux comme ça, mon retour, je le vois. Et je vois encore plus bien mon maquillage des yeux. Donc évite la palette. Donc voilà les lunettes, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Il y a comme des produits essence, très beaux, ou les carreaux, ou les carreaux, la vidéo, dites-le en commentaire. Bye bye.